sera Lady et vous série, partant de rien, saison 2, épisode 62. Let's go, c'est pas la dernière fois, les amis, on était. Bah, les amis, oui, bah, rappelez les amis, la dernière fois c'était en live qu'on avait fait. Bah, les amis, Melextri, si on a. Mais les amis, on va les palettes, les amis, parce que les amis, je vous dis aux vidéos, faut qu'on en rentre sur live, vous avez tout mon montage. Bon, les amis, là, ça vend tout. Combien voilà, c'est là, ouais, attendez, on plus grand chose. Ok, on a quasiment fait le bateau de quasiment 10 000 euros. Et bien, amis, let's go. Regardez, ah, ouais, alors, amis, on va remettre le louvrier à cultivateur. Donc, amis, allez bien, hein, d'accord, amis, ouais, amis, ça date, hein. Vous savez bien, amis, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, hein, d'accord, mais voilà. C'est une petite pause dans la série, mais on revient aujourd'hui en force. En plus, le stage est fini, donc voilà. Vous voyez bien. Donc là, on va pouvoir revenir en force. Voilà. Donc, n'inquiétez pas, PDR reviendra toutes les semaines. Finalement, c'était une petite pause. Tout va du bien, une petite pause d'une semaine dans la série. Voilà. Mais de toute façon, les amis, il y avait quand même le stream à suivre. Donc. Et après, après accélérer, on achètera le saumon. Vous inquiétez pas, on a cette thune. On a extrait, amis, par rapport au sec. Je réfléchis maintenant, les gars. Mais amis, c'est un live qui date de plusieurs semaines. Pour ça, vous voyez bien la date qui est assez loin quand même. C'est logique. Ok. Allez hop. Bon, voilà. Et donc, les amis, il ne restera plus que deux champs à faire. Donc, le champ 7 et le champ. On va faire quand même le champ tournesol parce que ça va nous avancer. Vous inquiétez pas, on va le faire maintenant. On le fera dans cet épisode-là. Au lieu du mois de janvier parce que. Voilà, ça va prendre beaucoup. Voilà. Ça prend beaucoup de temps. Et quand on aura beaucoup de choses encore à faire au mois de janvier, on n'aura quand même pas les champs blé. Est-ce qu'on le fait maintenant? Parce qu'après, on aura le champ 14, le champ 12. On n'aura pas le 10, c'est sûr. Donc 14, 12, le 1 et la fourche. Bah non, bah non, non. Non, non, vous savez quoi, c'est une connerie, on va pas le faire. Donc on n'aura plus que le champ d'avoine. Non, on fera ça la prochaine fois, on aura un peu le temps. Ne vous inquiétez pas, je vous dirai ça pour la semaine prochaine. On avance un petit peu dans ces pitables, on avance un petit peu le soja, mais vraiment on ira pas au-delà. Et non, non, on fera pas sur le tour de sol, on restera au mois de janvier. Ça sera beaucoup mieux. D'accord? Ok, non, je réfléchis, les amis, parce que j'avais dit en live et tout. Non, je vous redis qu'au final, on va pas faire le champ de sol. On va pas faire le champ dans cet épisode-là, on fera ça dans le live, le prochain épisode, ça dépendra. Voilà, d'accord? Voilà, ok? On a plus d'essence, on aura encore le champ d'avoine à faire. Mais bon, aujourd'hui, vous avez qu'à dire, l'épisode, les amis, sera pas beaucoup long aujourd'hui. Mais j'arrête de parler. Bon, amis, viens accélérer. On en est dans 20 minutes. Alors juste avant, on va parler de ça. La remorque, le chariot est trop petit. Mais bon, ça c'est un autre délire. On va vider la remorque. On va vider la remorque parce que normalement il y a ça, on va quand même ramener les 1000 litres à l'usine. Donc voilà. Et après on va changer de chariot. Parce que malheureusement on va faire un changement de chariot. Bon, on marquera ça, changement de chariot dans la description. Bon, bah, allez. C'est logique qu'il soit éteint. Et puis après le tracteur va encore faire un autre tour et tu ramèneras ça à la deuxième ferme. C'est pas les amis, faut qu'on fasse les olives. Attendez, heureusement, on va juste changer la barre de. J'aimerais bien qu'on ramène quand même la moissonneuse parce qu'on va quand même profiter. Ça maintenant. Bah let's go, tu ramènes. Okay, tout à l'heure. Allez hop. Pas de temps. Bon, le chariot. Alors les amis, le chariot, on va devoir le vendre. C'est conséquent. Chariot là,
On peut pas vendre les objets là? Ah mais je sais pas quel objet que je vais vendre encore. Est-ce que c'est le même ou pas là? Oh bah y'a une maçonneuse qui était pas. Et on est un promo. Il y a combien d'heures? 19h03. 61 000 euros. Et c'est combien qu'il fallait dans l'autre truc? Ah non, c'est 205. Est-ce que. Ah, attendez, attendez. Réfléchis. Le classe va monter à combien le classe? 145 et après 205. Ouais. Est-ce que on fait pas quand même parce que le semoir. Est-ce que le stair vaut le coup? Clairement, il vaut le coup. On va acheter quand même le semoir. Maintenant. Et en... Ah non, maintenant. On va acheter d'abord le tracteur. Ce qui nous coûtera largement moins cher. Et c'est vrai, mes amis, j'ai envie d'acheter un champ. Donc, on va pas se sacrifier. Le cultivateur coûte combien? Attendez, attendez, attendez. Je réfléchis juste ça. Parce que là, toi, il y a une promo qui est tombée. 8 mètres 3, donc 160. D'accord, 160. Il y a le Valtrac, tu vas pouvoir, à 205. Ah bah, je pense qu'on va être suffisant. Bah, je pense qu'on va pouvoir partir là-dessus. Et bon, on achètera comme le classe, mais plus tard. Et 120 chevaux pour 8 mètres. Ah bah, 120 chevaux, bah, on est gagnant. Ah non, bah, on va partir sur le Stellar. Et bon, on achètera le Valtra plus tard. Ça fait que, bon, qu'on voit. Bah, c'est ça que je suis parti sur les promos. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, ça va nous prendre de causer de l'argent. Et sérieusement, à la pas d'heure. Ouais, ok, donc c'est celle-là qu'il faut jouer. On va peut-être se faire un peu arnaquer sur l'argent. On va racheter un chariot qui est quand même plus grand. On va quand même partir sur un chariot de. Je crois que c'était celui-là. On va quand même partir sur celui-là. On va. Ouais, celui-là. Parce que. Il faut quand même un chariot assez conséquent. Attends, jamais, je vais le ramasser. Donc, on a perdu de la thune. On verra bien sans. Vous avez mis, vous direz dans la description. On verra. Peut-être, je vais peut-être mettre un peu d'argent. Parce que comme j'ai pas mis, comme j'ai pas utilisé, peut-être jamais je mettrai. Peut-être 3 000 euros. Peut-être pas rembourser. Ouais, quasiment rembourser intégralement. Ouais, si, si, c'est pas le même. Déjà, c'est un peu plus grand et au moins, ça sera tranquille. Pour hacker, ça sera peut-être bien mieux. Non, non, non. Touche pas, touche pas. Oui, non. Ah, ouais. Déjà, ça en penché, c'est pas mal. Pourquoi c'est tout ce terminé de travail là? Qu'est-ce que c'est que ça fait? Oh super, parfait. Oh super, moi ça me bloque. Ok, bon on reviendra peut-être plus tard. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, qui a terminé là? Ah non, c'est le Valtra? Ouais, ok. Parce que j'ai eu plusieurs, je sais pas. Bref, on a affiché du tif à 250 000 euros. Let's go, c'est parti. Posséder 5 tracteurs, posséder des machines à raisin, posséder 24 champs, finir de me faire des abonnés sur un sondage et un certain d'autres emprunts. Et vous savez bien qu'on a validé l'objectif de posséder 2 moissonneuses. Bon, les amis, on va changer un petit peu. Vous savez bien que là, on va partir sur le Stayer. En plus, Stayer, c'est pas mal. On n'a pas utilisé de la série encore. Donc, c'est vrai qu'au moins, on aura un Stayer. Je crois que c'est un Stayer en mode en plus. Ça va nous changer un petit peu. D'accord? Qui aura quand même 19h03. Bon, ça va quand même partir sur les véhicules qu'on a à présent. Mais bon, c'est pas grave. Et on achètera le classe. Ça se fait qu'il va nous proposer en promotion. Donc, on n'est pas non plus à l'abri des promotions. Mais c'est vrai que là, ça vaut le coup d'acheter un Valtra. Bon, il manque qu'à 100. On va quand même mettre au max des chevaux. On sera tranquille. D'accord? Et au moins, bah, ça nous fera 50 ans. On achètera quand même le Valtra. Le Valtra, n'importe quoi. Le Stayer. Mais ça vaut le coup par rapport à la promo. Par contre, on va ramener ça ici. Le petit. Petit Newland. Bon, ça, on verra. Attends, on va ramener la classe section. Hop. Ouais, ça bute un peu, ouais. Ça bute un peu. Il fallait juste reculer un peu plus. Bon, l'avantage, c'est que j'ai quand même la 32. Donc, on va juste ramener ça. Il faut qu'on ramène le chariot, mais il faut qu'on rejette le véhicule. Ah, ils ont mis le papier. Est-ce qu'on a des IC là-dessus? Non, on n'a pas d'IC. Je crois que dans le choix qu'on met, ça va aller, c'est des messieurs en bas. Donc, voilà, mais il faut. Non, mais franchement, c'est classe. 142 000 euros l'acheter. Ah, franchement, c'est pas cher. Hein. Enfin, c'est pas cher. Ça va, tu vois. Bon, les amis, on roule à 32 km/h. L'autre, elle roule à 25. Et sachant que, je vous dis une connerie, c'est que la semaine prochaine, le champ 1,
Ça sera ces moissonneuses-là qu'on va moissonner, parce que c'est bon, ça sera à partir de maintenant, à partir de janvier, là, dans le jeu, qu'on va moissonner comme ça. Donc, on va attendre le semoir et le tracteur, et c'est tranquille. C'est sûr qu'on va gagner de l'argent, comme on va quand même économiser 50-60 000 euros. Hein. Et c'est quand même pas rien, 50 000 euros pour nous faire autre chose. Franchement, vous inquiétez pas, les amis, cet épisode-là sera pas très long. Mais franchement, 40 minutes, là, il y en a marre des 40 minutes. J'aimerais bien qu'on descende au moins à 30 minutes, parce que là, bon, 40, bah, 30-35 minutes, mais pas 45. 40 minutes, je veux dire. Si on peut descendre à 30 minutes, ça serait idéal. Bon, vas-y, c'est pas grave. J'éteins la musique parce que mettre la musique, là, c'est la mentionneuse, ça fait pas bien le taf là. Il y a un bouillage, je sais pas ce que c'est, mais ça va bien dans la mentionneuse. Bien. On va faire un petit coup de volant. Il y a un bruit, mais je sais pas ce que c'est. Bon, c'est quoi ça dans la mentionneuse, les gars? Non, mais je pense, ouais. Non, mais t'inquiète pas, amis, c'est pas le micro. Les amis, on a encore des olives à faire aussi. Je vais la laisser là parce que. Non, bah non, c'est toujours plus. Non, on va pas remplir l'eau, mais bon, on va quand même la mettre autre part. Ah, y'a pas là. Allez, hop, allez, les amis, on ramène la moissonneuse. Et les amis, faut qu'on fasse vraiment absolument l'essence parce que là, j'ai l'impression qu'on va pas tomber en panne. On va tomber en panne bientôt. Et voilà, les amis, la New Land n'en reviendra plus ici. Vraiment, à part, c'est un gros problème, et normalement, c'est. Voilà. Maintenant, c'est terminé à partir de maintenant. À partir de janvier, je veux dire, vraiment. Merde, j'ai tombé de. Et au moins, on sera tranquille, donc les véhicules, là. Voilà, au moins, on sera tranquille. Et voilà, là. Ça fait quand même bizarre de connaître l'élection, parce que c'est vrai, on a toujours habité avec cette petite New Land, et on va quand même deux mois dans la série. On commence à se dire qu'on commence à faire un tournant dans la série et ça fait plaisir, hein, comme je vous dis. Et moi là, ça nous fait plaisir. Ok, ok, vos amis, aujourd'hui, on va regarder le voir. On a juste ces deux trucs là. Je sais, peut-être on va peut-être acheter autre chose parce que c'est vrai que j'ai pas pris forcément grand chose. J'aurais bien acheté un nouveau champ. Mais c'est vrai qu'on a quand même le champ qu'on devrait faire en. Après, c'est pareil, peut-être puisqu'il faut qu'on achète un nouveau cultivateur pour la deuxième ferme. Et une planteuse de 6 mètres aussi, ouais. Je vais regarder ce fait. Donc, ouais. Ça va être de deux. Pourquoi j'arrive pas j'ai envie d'enculer parce que ça va pas. Ok, ok, bon ami. Chers amis, je vais mettre un autre accéléré. Et puis, en ce moment, bah, amis, dans. Je sais pas trop combien de temps, mais on verra après. Bon ami, à tout de suite, amis. Là, je pense que je bloque là. Bon, mes amis, retour, mes amis, on doit réparer la moissonneuse, on n'a plus le choix, on n'avance plus. Donc ça sert à rien qu'on. Je voulais qu'on ne répare pas, mais malheureusement elle est toute cassée. Et bon, quand c'est cassé, ça n'avance plus. Parce que comme il est part de groupe, c'est pas forcément celle qui est originale, on a mis plus grande. Donc si déjà le truc, là, les amis, elle est cassée, donc on va la réparer. Je voulais pas trop dépenser, mais bon, malheureusement, il n'y a pas le choix, les gars. Et de toute façon, on achètera le tracteur en premier, parce que, amis, d'ailleurs, on va acheter le petit stéréo. Les amis, franchement, le stéréo, ça va être pas mal. En vrai, jamais, je vous le dis. Et voilà. Vous verrez pas, les amis, je vais passer avec vous pour voir l'argent, comment ça descend et que ça monte, hein, vous le savez bien. Là, je vais le faire marcher arrière parce que sinon ça ne monte pas. Je vais vous prendre ça vite fait, les gars, mes amis, je vais remettre un accéléré. Je n'ai pas de temps. Hop, 1039. Ouais, ouais, bon, il y a bientôt 6 000 euros de dépenses. Ouais, bon, bah, il n'y a pas le choix, les gars. Là, les amis, on a encore de l'argent. De toute façon, les amis, on va encore acheter le tracteur. Hein. De toute façon, les amis, on va encore faire de l'argent. Ah bah ça va être mieux. Ok, ok, bon les amis, je vous remets en accéléré et on revient juste après les amis, on fera la récolte d'olive avec vous. On revient tout de suite.
les amis, tout le monde est mis, let's go, on les palettes, les amis, faut qu'on charge les palettes. Oh, non, ils ont les monnaies de tournesol. C'est vrai que ça, c'est chiant. Ça me sort les palettes de tournesol. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça sera pour le mois de novembre la vente. Donc, ça sera pour la prochaine vidéo qu'on fera la vente de tournesol. Bon, prochaine vidéo, il y aura pas mal de ventes. Ah, ça bug, là ça bug. Ah, ça bug. Là, les amis, ouais, là, ça. Ouais, là c'est pas très 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 fluide, je suis désolé. C'est pas obligé ce qui bug, c'est bah, juste que là il y a pas mal de palettes. Pourtant après pas il y a d'autres palettes aussi. Donc ok, c'est pas mal. On a changé combien là-dedans là? On a changé pas mal déjà. Ouais mais faudrait être bien. Ouais. Je vais regarder comment il me reste. Charger, ça me fait combien de palettes? Ça fait 6 à charger. Moi, je peux en faire que 3. Hein. Il me reste combien de palettes encore hein? 9000. Ah ben, mais bah, je peux faire qu'on fasse au moins un rang. 9000 avec ceux-là. Hein. Ouais, bah. Je peux faire encore un rang supplémentaire. Un rang supplémentaire. On va faire un rang supplémentaire. Oh, je peux dire que ça va. Est-ce qu'il y a de produit? Les amis, le colza, on en fait trop. Le problème, c'est que pareil, les usines, ils sont pas vides, vides. Hein. Pareil, le colza, même si tu fais le temps, une journée le temps, elle est pas vide. Ok, bah c'est bon, on va s'arrêter là. Hop, on va s'arrêter là, ça fait pas mal. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Hein. 16 000. Bon, on va faire encore un rang. Je pensais que c'était bien, mais non, mais il manque encore au moins un rang. Ouais. Encore, ouais. Je viens une autre heure, je veux dire. Bah, on peut plus. Bah, hop, c'est bon. Ouais, hop, c'est bon. Là, hop, ça fera 18 000, ce sera pas mal. Donc, les amis, il reste 4 000. Il reste 4 000 avec ça. Non, 3 000. 3 000, 3 000, c'est bien. Ok, on a fait 18 000, bah, c'est bien. Et après, les amis, on a encore le plateau à vendre, les gars. Je peux vous dire que. Bon, après, là, c'est pareil, on n'a pas fait non plus grand chose. Mais n'inquiétez pas. Il y a encore notre plateau qui arrive. Bon, les amis, on va juste prendre des objectifs à 500 000 euros. Let's go, c'est parti. Faire un live de 9 h au max de 45 000. Posséder une machine à coton. Poster 42 gens. Activer le mode saison. Et un tournoi d'autres. Location. Bon, on a des choses à faire, hein, évidemment. Vous avez... bah, après, voilà. Bon, vos amis, moi, tu reviens, on organise un live de 5 heures la première semaine de janvier, donc un peu plus d'un mois, donc on organise un live de 5 heures. Voilà, plus le live aussi, on fera un autre live pour avancer sur la série. Donc voilà, on fera deux mêmes de live, donc c'est bien un live de 1h30, ça fera bien 7h30. Je pense qu'on sera pas mal. Enfin, bon entraînement, on sera en direct. Et ça sera certainement un mercredi, donc le mardi. Vous savez que les vidéos vont être sorties certainement un lundi. Ah non, bah non, lundi c'est premier l'an, le nouvel an. Ouais, ou peut-être, voilà, ouais, donc ouais, le mardi. Mais le mardi, ça peut que mardi va être sorti la vidéo absolument vers midi, au lieu de 18h. Et le live sera organisé mercredi. Peut-être midi ou voilà, peut-être voilà, vers midi ou 13h ou le 18h. Vous ramassez la pendule à l'heure. On verra par rapport à cet épisode là si on, voilà, on peut-être rentrer un petit changement sur les horaires. Parce que bon, voilà. Et on livrera sur la chaîne secondaire Switch Gaming Off. N'hésitez pas à y la voir. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie dimanche sur l'écran que je viens d'acheter. Donc voilà. Donc, il y a le lien de la base dans cette vidéo là. Il y aura le lien de l'écran. Pas dans cette vidéo là, mais non. Alors, on a de la chair à faire. Hein. On va avoir de la chair. Bon, là. On va tout exploser, moi je vous le dis. On va tout exploser. Et après, les amis, on a encore des. Allez, les amis, faut qu'on fasse un récolte d'olive avec vous juste après. Donc, on va faire une bonne séquence. Mais j'emmènerai les tracteurs après, on aura le temps. Et après, les amis, on avancera le temps, bah, 2 jours. Et les amis, on va peut-être pas remplir l'eau là. Bon, c'est 2 jours. On va pas remplir l'eau et des serres. Non, on va pas le faire. Attention. 3, 2, 1. On est bien. Allez, c'est au montage. Ah, super, il faut que j'ai 3. Donc là ça vend le tomate, fraise, salade, œuf. Encore les palettes d'olive, déjà 80 000 euros. Ouais, avec les palettes de. Oh, ouais. Ah, c'est les olives. Juste le colza. J'avance trop parce que sinon. Oh putain! Oh! Quoi? 200 000 euros? Non, oh, c'est fou. 141 000 euros. Ah oui.
Ah oui, 216 000 euros, il reste encore un plateau à vendre. Fou! C'est fou, 216 000 euros. Bon, pourquoi lui s'est arrêté lui? Mais aucun nom s'est arrêté lui. Là, il a dû faire un bug lui. Bah, t'as pas fini lui, hein. Ah bah, le voyage il a fini aussi. Ouais, bon, 216 000 euros. Bah, pourquoi le. Mais putain, mais l'ouvrier, tu peux pas. Ouvriers, le carton. Jure, il y a des ouvriers. Je sais pas, il. Bon, lui, s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté, lui? Il a fait de la merde ou quoi, là-bas, là? Non, quand il a dû se remettre, il a oublié de la ligne. Ouais. Bon, lui, il nous a fait quoi, lui? Après, les amis, on va acheter les véhicules après, hein. On va acheter moi le cultivateur et on achètera de le semoir après. D'accord? Et après, encore j'ai envie d'acheter un champ. Et peut-être attendre le début des amis parce qu'il y a encore un champ de colza qui ont envie de le faire. Le champ, on va acheter les amis le champ 37. Et je peux vous dire qu'il est grand, tu vois. Il coûte bateau 100 000 euros, donc c'est vrai. Mais on va l'acheter, les gars. Je vous dis que moi. Après, après les amis, on va emmener ce plateau. Et enfin, on aura les changements de véhicule au mois de. Bon, pendant le live, les gars. D'accord? Donc, live prochain. Qui sont organisés au mois de. Pourquoi il avance pas le véhicule? Alors, tu bombardes là? Alors, les amis, il faut réparer le véhicule, mais malheureusement, les amis, on a déjà réparé la moissonneuse, comme je vous dis. Et donc, les amis, on va encore une nouvelle vente. Les amis, il y a une palette d'œufs en plus. Donc là, ça va quand même bombarder aussi. Hein. Elle a du mal à monter le véhicule. Ouais. Et on va acheter le petit stayer. Et on achètera le classe bah, prochainement aussi, je pense. Parce que j'aimerais avoir connaître avant ce tracteur. Et ça nous donnera un nouvel objectif, à 250 000 euros, vous c'est un tracteur, bah c'est bon. Après, bah, les amis, il faut acheter la machine à gazin, mais bon, on achète le champ, encore, ça n'a pas acheté. Il faut acheter aussi le champ pour l'ensilage, il faut qu'on achète le cultivateur, bon, on a tellement de choses à acheter pour avancer dans la série. Donc ça, c'est pareil, il faut qu'on prenne les convoyeurs, tout ça. Ça va être une autre, ça va être une autre histoire. Et il y a encore quelques champs qu'on va acheter dans les prochains mois. Après, les champs français, c'était pas prévu, mais bon, en tout cas, il faudrait qu'on prenne des champs aussi, hein, parce que bon. T'inquiète pas que. Il y a encore tous ces champs là acheter. Hein. Allez. Non, ça veut pas. Oh, super, ça veut pas. Il y a rien qui se voit. Ok. Ok, ouais, on a les. Mais ça va pas là. Il y a un petit souci. Ok, va bah, faut qu'on reste comme ça. Là. Ok, là c'est bon. Heureusement, on va. Ok, bah, c'est bon. Ok, donc là, les amis, ça vend les tomates. Ouais, ça vend les salades. Bon, voilà, bah, ça avance pas vite. Hein. Je sais que là, l'argent va être un petit peu plus long. Les œufs, ah bah là les œufs ça va un petit peu plus vite quand même les œufs. En plus avec les sacs qui vont produire, bien sûr, on va même pas mettre d'eau là, ça va être parfait. Petit souci avec les palettes. Bon ça s'est arrêté parce que. On va accrocher parce que sinon ça va descendre. Oh bah hop ça va alors. Oh voilà alors on monte. Allez, 260 000. Ok, c'est bien. Ok, 14 000 euros. Vas-y, on a 261 000, c'est super. On a fait une super belle vente. Bon, maintenant, les gars, on va acheter le véhicule. Le petit profil, les gars, qui va rouler à 50 km/h. Bon, comme le New Land. On va le mettre en passer en 175 chevaux. On va pas mettre de chargeur avant parce que ça sert à rien. On a déjà un véhicule. Le petit bon stayer. Et voilà, on va l'acheter directement. Oh bah il est beau. Magnifique. Alors on va aller dans mes amis dans le magasin. Magnifique. Oh il est beau. Et en plus ça va rendre avec le cultivateur et tout, ça va être beau. Et regardez le petit stayer. Donc ça c'est là qu'il est en mode les gars. Il a 19h3. Ok bon les amis positifs à 250 000 euros, tu peux mettre un rond. Va poser un tracteur, tu mets un rond. Va l'idée. Voilà, les amis, on a plus que quasiment 200 000 euros.
Ça fait plaisir. Les amis, maintenant. Alors, lui, il faut que je le ramène. Alors, ça va être une autre histoire, les ouvriers. Parce que ramener ça. Ça, c'est encore une autre histoire. Vraiment, ça, c'était sûr que ça allait pas marcher. On va devoir faire la récolte d'olives, les gars. Lui, j'aime bien le ramener, le véhicule. Mais bon. Alors, mon ami, faut qu'on fasse la récolte d'olives. On l'emmènera au mois de janvier, les olives. Hein, parce que. On va les récolter maintenant. Parce qu'au moins, ça permettra peut-être au mois de juin de refaire une récolte. Je sais pas quand on va les palettes d'olive aussi là. Donc pour ça on va dire le mois de janvier pour qu'on fasse quelques ventes. On va essayer de voir comment on fait. Ok, l'ouvrier a terminé son travail, ça c'est bien ça. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est bizarre. Bon, on verra ce qu'il va nous faire après. Lui, ben ouais, mais lui je vais le faire. Sous les partout la machine olive. Donc mes amis, on fera la miniature fin d'épisode, les gars. Ah bah ça, avec la benne ça va aller ou quoi? Oh, avec la benne c'est pour ça que ça aille. Ouais, bah ça, faut qu'on prenne la benne de TP. Ah bah ouais. On est tellement encore ça comme tu veux. Ouais, de prendre la benne de TP pour vendre. Ouais, la benne était trop haute. Oh, c'est où le champ? C'est là ou quoi? Mon ami, il y a pas grand chose, amis, désolé, on va peut-être les remonter peut-être à partir que du mois de. Ouais, on va voir qu'on va faire ça. Ça serait peut-être con de récolter maintenant. On va récolter maintenant, c'est pas grave. Et puis on verra ça. Bah, moi, amis, la prochaine récolte. On fera ça au moment de la prochaine récolte, hein, au mois de juin. On récolte encore une fois, puis on rendra la ligne parce que là, bon. Alors, on commence à mettre petit à petit avec les olives. On va juste voir combien il fait Laurent. Et après, je vais me naxer, les gars. Regardez pas, jusqu'à la fin de l'épisode. Ça ira très bien. Bon, cet épisode va être un petit peu long là. J'ai peur que l'épisode dure longtemps, mais on va juste faire vite fait. Hein. Bon, de toute façon, amis, je sais même pas si on va faire une palette hein, parce que. Ça, mais. Quand on fera une, on la vendra la palette qu'on a fait. D'ailleurs, amis, on a arrêté la plus belle ferme sur la récolte. On a fait une récolte. Ah, bah, on ira pas loin. Hop. Ah, ouais, loin. Ah, bah, faut même pas faire une palette. Ah, c'est pas énorme. Ah, non, mais quoi, amis, non, mais faut qu'on agrandisse. Hein. Ouais, bah tu vas faire que 2000. Bah, amis, ça sert à rien qu'on emmène, on laissera dans notre ennemi parce que clairement, bah ça sert à rien. Voilà, on a déjà 500 litres. Ouais, ça sert à rien. Donc, ouais, on fait à peu près, grosso modo, bateau 600 litres. Quasiment 600 litres, ouais. Après, 600 litres. Ouais, bah c'est pas beaucoup, hein. Ça sert à rien, les gars, on en videra ça la prochaine fois parce que là, bah clairement, ça sert à rien. Donc, voilà. On aura commencé, les gars. Ok, bon, amis, je viens d'accélérer. Au revoir. Les voilà, amis, j'ai oublié de mettre la benne. Bon, on fera les échanges plus tard. On let's go 28, ouais, 28 c'est bien, 304 c'est bien. Ok, on va faire un petit peu de tunas. D'ailleurs, amis, ça va permettre d'acheter le champ. Ça fait plaisir. Ils sont prêts. Le 10, bah, il est pas prêt, hein, vous le savez bien. Le 38 aussi. Il manque une journée. On pourrait peut-être le faire un jour d'aller au février, mais le problème, c'est bon, ça en fait que décalage. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, vous savez bien que le 92 n'est pas prêt. Le 37, il coûte 94 000 euros. En vrai, on pourra peut-être l'acheter parce qu'en vrai, on va peut-être l'acheter. On va l'acheter prochain début prochain épisode. Je vous l'achète. On va l'acheter cette fois-ci. Les poules, est-ce que 1000? Ah bah 1000, ah bah 1000, ça va. On est au bout et on va vendre 6 poules là. On va peut-être en vendre moins 50, voire peut-être 80. Donc là, ça va être le
Regardez, non, mais regardez-moi, c'est pas laid. Non, mais, et je vous dis, hein. Pas produit, hein, ici. Hein. Produit seulement. 25. Eh ben, tu vas vraiment déjà les 25. 25. Mais t'as mis la 25 ou quoi, ce machin-là hein. Tu vas en vendre. Tu vas en vendre 50. 50 et allez hop. 8, ouais, quasiment 900. Ça fera. Ça va. Déjà, bon, on t'a produit vachement bien. On avait vu au bout. Et là, les 1000 euros là, hein, on t'a pris. Ça doit vraiment prendre 150. Après, t'as mis ça produit trop vite. Toi, t'en vendras un peu plus. On vendra un peu plus mais bon. Ici, on va juste en vendre un. On fait un petit peu de thunes. Et puis voilà. Hein, bah, 216 000 euros, ça fait plaisir. La laine, elle a produit ou pas? Bon, elle a bien produit en vrai. Bon, elle a pas mal. Elle a bien produit. C'est pas mal. On en ramènera quand même le reste. Sachant que je pense que bah, l'usine de tissu a pas trop broyé. Hein. Bah, c'est logique. Il y a 59 000. Donc c'est pour ça. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. Donc il y a 1000. Donc ça veut dire que ouais, ça a pas mal produit. Et ça, je suis content. On va vendre ça au mois d'avril. L'huile d'olive, d'ailleurs, le champ, il est pas prêt. Hein. D'ailleurs, croissance, vert. Logique. Ça sera prêt au mois de juin, certainement. Mais voilà, les amis, avant, on n'a pas fait la miniature. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Ah, il est intéressant lui aussi. Hein. Et le beau petit tracteur est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. La maçonneuse, elle est intéressante. Hein. Il faut voir la barre de coupe qu'il y avait. Parce que là, il y a la barre de coupe, ils t'ont fait la moitié, mais. Ouais. Que tu vas dire combien? De 7,5 m, ouais. Alors, il faut quand même 250 chevaux. Il faut aussi. Voilà, il faut ce tracteur là au final. Mais bon, c'est pas mal. Le semoir de 8 mètres. Non, c'est 12 mètres, 12 mètres, 65 000 euros. Bon, c'est peut-être un peu plus cher, mais en tout cas, là, c'est 120 chevaux, 8 mètres. C'est pas mal. Le petit. Et voilà, il nous reste 139 000 euros. Donc, on aura assez d'argent largement pour acheter le petit semoir. Et peut-être même commencer un petit peu. Et il coûte combien ce champ-là là 38 000. Ouais, on aura peut-être l'argent, on aura acheter pas mal de champs. Ok, allez, on va demander là-bas pour faire la miniature parce que c'est important. Et la petite minière, ah oui, la petite minière. Ah, on aura acheté le semoir, le tracteur aujourd'hui. Ok, bah voilà. Ok, voilà. Bon, mes amis, si vous aura plu, il y a un petit peu de vidéo, ça fait plaisir. Merci d'avoir reçu un petit pouce bleu. Et passez une très bonne journée. Bon appétit, ciao.